C'est peut-être dangereux. Tu vas te perdre, Dodo le Dur. Non, sûrement pas. Je suis le meilleur joueur de petits bateaux du grand océan. Sauf que je vais poser mon pion sur la case victoire en un coup. Et hop, et... Oh non! La case plouf. Il faut qu'il fasse 12 pour gagner, il n'y arrivera pas. On verra, mais on est bien d'accord. Les perdants iront chercher une banane à grelots sur l'île Tintamarre. Et s'ils ne la rapportent pas avant le coucher du soleil, ils auront un gage. Porter un bonnet crotte de méduse sur la tête toute une semaine pour servir le gagnant. Mais si on la rapporte, c'est toi qui porteras le bonnet, Dodo le Dur. 12 victoire. Oh non. Oh si. Qui est-ce qui va me servir pendant toute une semaine? Pas nous. Vite, Capitano, allons chercher cette banane à grelots. On reviendra avant le coucher du soleil, Dodo. Et c'est toi qui nous serviras pendant une semaine. Ce qu'ils s'ignorent, c'est que l'île Tintamarre est habitée par le terrible ogre Vacarme. Vacarme! Vacarme! Les amis, on doit rapporter une banane à grelots avant le coucher du soleil. Sinon, on devra porter des chapeaux crottes de méduse. On sera traités de pirates tout pourris. Quoi? Et le pire, c'est qu'on devra servir Dodo le Dur pendant une semaine. Non! Alors, levez l'ancre! Déployez la grand voile! Ancre levée! Grand voile déployée! Parée pour l'aventure! Lingaz vers l'île Tintamarre, les amis! Encore un soupçon d'ail. Non, ce gazpacho à l'ail va être délicieux. Ah, babardoute! Non, mais c'est pas possible! Je ne peux pas cuisiner si tu vires de bord comme ça! C'est quoi cette odeur? Cette odeur, c'est de l'ail! Parce que notre capitaine manœuvre son bateau n'importe comment! J'ai mis du temps. On a eu un petit souci de gazpacho à l'ail. Oui, bah ça va, hein. Le banane à grelottier est au centre de l'île. Oh. Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On dirait... Des feux d'artifice. On peut y aller? Désolé les pirates étoiles, mais l'équipage doit garder le bateau. Oh, c'est toujours les mêmes qui s'amusent. Qu'est-ce qui peut bien pousser de bon sur l'île Tintamarre? Attention! C'est peut-être dangereux! Mais non, regarde! Ça a l'air tout mignon! Oh, c'est quoi cette bestiole? C'est sûrement un habitant de l'île. Au fait, comment s'appellent les habitants de l'île Tintamarre? Je sais pas, des tintamarrans. Il est marrant, ce tintamarran. Bonjour, je m'appelle Pirata. Elles ont l'air bonnes, ces drôles de carottes. Alors, fruits et légumes de l'île Tintamarre. L'île Tintamarre est célèbre pour ses bananes à grelots et ses délicieuses carottes algues. Attention néanmoins à l'ogre Vacarme. Un ogre toujours très en colère. Oh! Oula! Oh! Oh! Au secours! Tous aux chaloupes! Bébé ogre Vacarme, pitié, ne me mange pas. Tu es... Oh, je sais pas, mais tu n'as pas l'air d'être un ogre en colère. Oh, un autre. Oh, mais vous êtes nombreux, dites-donc. Les gentils petits. Je ne peux pas les abandonner avec l'ogre dans les parages.
Quel horrible bruit! Oh, j'en ai les oreilles qui sifflent encore. C'est bon, on l'a sauvé. Ouf, enfin un peu de calme. Il faut qu'on retourne sur l'île cueillir la banane à grelots. On doit d'abord trouver le moyen de ne plus croiser un de ces tintas. Vous tombez bien, on fait visiter le crâne rose à nos nouveaux amis. Alors ça, c'est le grand mât. Là-haut, la vue est splendide. C'est bizarre, ils ne font pas de vacarme. La présence de Roberto les rend muets. Alors, on n'a qu'à emmener Roberto chercher la banane à grelots avec nous. Hors de question que je quitte le crâne rose. Je ne veux pas servir de petit déjeuner à l'ogre vacarme. Un ogre? Il vit au milieu de l'île. C'est un ogre très, très en colère. Je l'ai lu dans mon livre de recettes. Vous croyez ce qu'on écrit dans les livres de recettes, vous? S'il y avait un ogre, on l'aurait vu. Cette odeur d'ail! Tu pourrais prendre un bain. Tu as raison, tiens. J'y vais tout de suite. On doit apporter la banane à grelots avant le coucher du soleil. Et c'est pas une petite odeur d'ail qui va nous ralentir. Allez, en avant. On devrait plus être loin. Oh là là, peut-être qu'il nous espionne déjà et qu'il veut nous manger pour son dîner. Je vous dis que ça sent pas bon, pas bon du tout. C'est toi qui sens pas bon. C'est l'ogre vacarme. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on n'a rien fait, Non, rien du tout. Si, vous entendez? Les tintamarrons ne font plus de trélélite. Ah, ça! Quel silence! Quel beau silence! Vous avez l'air super sympa, mais on doit partir. D'ailleurs, est-ce que je peux cueillir une toute petite banane à grelots de rien du tout? Partir? Vous n'y songez pas! Grâce à vous, les tintamarrons se taisent! Enfin! Alors, vous allez rester avec moi! Vous êtes mes prisonniers! Fuyez! Et là! Pas si vite! Je ne peux plus! Silence! 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 Mais j'ai dit silence! Les divertissements ont recommencé! Ouais! Sauvé! Mais on n'a toujours pas de banane à grelots. Et on va devoir servir Dodo le Dur pendant une semaine. Je comprends pas. Les tintamarrons étaient silencieux et tout à coup, ils recommencent. Qu'est-ce qui a changé? Au moins une chose. Depuis que Roberto a pris son bain dans la mare, l'air est redevenu respirable. Mais bien sûr, c'est l'ail. C'est l'odeur de l'ail qui rend les tintamarrons silencieux. Et j'ai un plan. À nous la banane à grelots. Mais pourquoi ils se taisent? Grâce à ça, de l'ail. C'est ça qui les rend silencieux. Ça marche! Grâce à vous, mes oreilles vont enfin se reposer. Tenez, vous l'avez bien mérité. Merci! Merci à vous! Je serai enfin tranquille! On est ravis de vous avoir rendu service, ogre vacarme. Maintenant, on doit vite reprendre la mer. Je vous ramène, ça ira plus vite! Ouais! La voilà, ta banane à grelots!
Mais c'est pas possible. Oh, comment avez-vous fait avec l'ogre vacarme? Ah ah! Tu t'es trahi, Dodo le dur. Hein, quoi? Alors là, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tricheur! Tu nous as piégés avec ce gage. Tu savais que la banane à grelot était gardée par l'ogre vacarme. Hein? Mais non, enfin, mais... Oh, quelle imagination! Donc, tu as perdu! J'avance sur la case trésor. Ouais! Voilà pour vous, Fougie. Oh, fais pas cette tête, ton bonnet te va très bien. Très bien, très bien. Avancez le fil, un trésor nous attend. C'est la liberté sur le grand océan. Nous partons en chantant, y'a de la joie dans nos cœurs, on n'a pas peur.